Vous savez parce que c'est que les dartres des vaches, si? Ah, ben non. C'est une maladie de la peau des vaches, mais qui est très pénible. Je vais vous raconter une histoire pour vous faire comprendre. On avait une année, disons que c'est sur les troupeaux qui sont pas trop bien soignés l'hiver. Et alors quand ça arrive dans un troupeau qui est très bien soigné, les gens se méfient, ils disent on nous a jeté un sort, il y a un problème. Parce que ça ne devrait pas être. Logiquement, ça ne devrait pas être. Une bête bien alimentée ne doit pas avoir cette maladie de peau. Donc, on cherche. On ne trouve pas toujours. Alors, moi, je les pense. Je les pense, mais je ne suis pas bien fort. Parce qu'on a chacun sa spécialité. Je le fais, mais je sais que ce n'est pas évident. Donc, ça n'a pas marché. Donc, j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais, qui était beaucoup plus fort, mais qui était âgé. Et quand on est en âge, on perd du fluide. Ah oui, Donc on est mou. avec l'âge. Voilà. On perd. Pour ça, des fois, les personnes trop vieilles, on les emploie plus parce qu'ils ont perdu tout leur. Un peu de leur effet. Moi, je pensais que c'était le contraire, plus avec l'expérience. D'accord. Non. Enfin, si, jusqu'à une certaine limite, quoi. Après, si on est sénile, c'est. Bon. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait venir cet homme-là, qui était beaucoup plus âgé que moi, mais qui était très compétent. Alors. Il les a pensés, toutes les lunes, parce que ça fait des disques, sur la peau des disques où il n'y a plus de poils. Toutes les lunes, le disque s'agrandissait. Donc on a dit, c'est pas bon. C'est pas bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas de Voilà, louche. voilà. Il faut trouver quelqu'un de plus fort. Et j'étais dans les montagnes de Parce que chasse. non, pardon, parce que Oui. normalement ça fait pas ça. Ça ne grandit Non. pas à chaque lune. Non. Ça fait, c'est ça qui était bizarre, quoi. Voilà. Donc on a dit ça va pas. Alors on avait des cousins Picherand là qui connaissaient une femme dans les montagnes de Chastré, qui était très forte. Et la femme, elle vient un jour et elle me dit, alors je la convoque, je lui dis il faut que vous veniez, eh bien, elle voit les vaches. Alors on a coupé à toutes les vaches, ça se fait beaucoup quand on soigne comme ça, un peu de poil. Toutes les vaches, on l'a mis dans un papier qu'on a bien fermé. Elle m'a dit, vous faites un grand feu dans votre cuisine. Alors elle a fait ce qu'elle avait à faire, bon, ses prières, ses incantations. Et elle m'a dit, avant, il faut sortir tout ce qui est féminin de la maison. Tout ce qui est féminin, c'est-à-dire. Ben, il y avait ma femme, il y avait la grand-mère, Toutes les pères, ouais. il y avait le chat. Il fallait Ah. qu'il n'y ait pas d'éléments féminins à part elle. Bon, elle m'a fait ça, je n'étais pas convaincu à 100%, mais conclusion, un mois après, il n'y avait plus rien. Et elle m'a dit, vous en aurez plus d'un certain nombre d'années. Sur aucune vache, Sur plus aucune quoi. Ouais. vache. Et j'en ai plus eu. Et ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, longtemps. Ah, donc ça a marché. Ah, ça a bien marché.